De tout temps, la ville de Liverpool a été un port du grand large, une terre d'expéditions maritimes de toutes sortes à travers les siècles. Sa richesse s'est bâtie ici, sur les rives de la Mersey, à quelques encablures de la mer. Les quais sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec les Trois Grâces, trois buildings érigés au début du XXe qui témoignent de la puissance du port et de l'âge d'or des compagnies maritimes. En 2012, une nouvelle économie a pris le relais. Un mix de culture et de tourisme, des gratte-ciels, des quartiers d'affaires ont accompagné cette relance. Dans ce paysage imposant, on distingue à peine ces deux cales sèches pour navires. Elles sont les derniers vestiges d'un trafic maritime qui prospéra ici, au 18e et au 19e, le commerce négrier. Et c'est sur les anciens docks entièrement réhabilités que le Musée international de l'esclavage a ouvert en 2007, un lieu unique au monde. À Liverpool, c'est un sujet sensible. Tout le monde ne voulait pas en entendre parler de cette page d'histoire. Nous ne sommes pas en train de dire « voilà, Liverpool a fait du mal, l'Angleterre s'est mal comportée ». Non, c'est plutôt d'aborder équitablement cette histoire, en quoi ça nous concerne, de comprendre comment des hommes se sont impliqués à titre personnel. Mais, et c'est un grand mais, au centre de tout ça, nous avons toujours voulu replacer l'Afrique et les Africains. Lorsque le tout premier navire quitte Liverpool pour les côtes africaines, nous sommes en 1700. Il inaugure un siècle et demi de commerce négrier transatlantique et un trafic plus important que dans n'importe quel autre port européen. 1,5 million de nègres a été déporté vers les îles de la Barbade ou de la Jamaïque, dans les plantations de sucre, de coton ou de café. À terre, toute une ville a investi dans ce commerce légal, du simple citoyen au riche négociant, tous actionnaires. Liverpool en fera sa fortune, multipliera sa population et en profitera encore longtemps, même après l'abolition de l'esclavage, décrétée en 1807 en Grande-Bretagne. Ici, nous sommes plus que dans un simple et traditionnel musée d'histoire. Liverpool assume son passé de la traite négrière, son héritage, mais réfléchit aussi au présent, pour rappeler que l'esclavage est toujours d'actualité en 2012. Ne pas faire dans la repentance, mais combattre l'ignorance, c'est la politique de ce musée. Par exemple, il met en avant l'émancipation des Noirs à travers l'histoire, l'apport des minorités dans la société d'aujourd'hui. Le tout sous forme d'expositions renouvelées, interactives, abordables pour les jeunes. Dans les informations, les médias, l'Afrique est souvent vue de manière négative. Malheureusement, c'était pareil autrefois. On parlait déjà de racisme ou de civilisation supposée supérieure et inférieure. C'est pour ça que nous mettons en place ici des animations vers les plus jeunes, avant qu'ils approfondissent ce sujet plus tard et qu'ils travaillent sur les horreurs du commerce négrier transatlantique. L'accès au musée est gratuit. Depuis son ouverture en 2007, le cap du million de visiteurs a été franchi. Un public à la fois britannique et étranger avec beaucoup de Français. Seul bémol, le projet d'extension du Musée international de l'esclavage est en rade par manque d'argent public.